Santa Maria! C'est l'heure du conseil municipal! Notre village est petit, mais son cœur est aussi grand qu'un terrain de football. Jusqu'au jour où tout a changé. Tu veux vraiment partir? On peut pas rester ici si on n'a pas de travail. La société de l'empacteuse envisage d'installer une de ces machines chez nous, mais ils disent qu'il nous faut un médecin. Un médecin! Il y a forcément un médecin qui aimerait l'île. On va le trouver, quoi qu'il en coûte. Mais plutôt à 3 heures de la ville. Mais si, 3, 6 ou 7, personne n'est à 4 heures près. Vous pouvez pas m'envoyer dans un trou pareil. Ça veut dire qu'on a exactement un mois pour réussir à le convaincre de signer un contrat à durée indéterminée. Il y aura du travail, il y en aura pour tous. Comment on va faire pour qu'il reste? On le séduit. Avec des mensonges, c'est ça? J'ai fait quelques recherches sur ce médecin. Il est absolument passionné de football américain. C'est étrange. Les deux équipes ont gagné. C'est le sport qui a gagné. On met son téléphone sur écoute pour en savoir plus. Et ton logement? Je suis dans une maison hideuse. J'ai un pied d'athlète, docteur. Vous voulez voir? Et ce village alors? Si ça continue comme ça, je tiendrai pas une semaine ici. Vous avez jamais envisagé de partir d'ici? Je quitterai jamais Santa Maria. Des villages comme ça, on les oublie. Ils se servent dans nos cultures, pillent les fruits de notre travail. La seule vérité, c'est que sans médecin, pas de village. C'est comme ça que vous séduisez quelqu'un? Prie pour nous, ô Marie pleine de grâce. Toi qui es pure conçue.